Cela fait plus d'1 an et demi que les habitants de la région du nord d'Idlib vivent dans le danger permanent, sans aucune ressource ni soutien médical. La solidarité locale permet quand même de faire fonctionner une structure médicale clandestine à laquelle l'équipe MSF a apporté son soutien. On allait dans ces zones pour vraiment évaluer les besoins de ces personnes. Et derrière, on a commencé à supporter des postes médicaux. Donc leur fournir plus de matériel, aussi les aider sur la formation, puisque beaucoup de personnes s'improvisent à infirmiers parce que c'est la guerre et qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut soigner ces gens. Et on a essayé aussi de développer des systèmes d'ambulance pour que les personnes puissent sortir de ces zones. Il y a 1 mois, une équipe MSF s'était rendue à l'est de la Syrie en mission exploratoire dans la région isolée de Der Azor. La zone est aussi ravagée par la guerre. On y voyait des hôpitaux abandonnés, victimes de bombardements intensifs. Là encore, les Syriens se sont organisés pour reconvertir une ancienne école en hôpital de fortune. Dans ces 2 zones, la situation est très alarmante et les rares soignants doivent se débrouiller avec le strict minimum. La bédaquiline, c'est le nom du nouveau médicament que l'autorité de réglementation américaine FDA vient d'approuver. La tuberculose a développé une résistance croissante aux médicaments normalement utilisés pour la combattre, ce qui la rend difficile à soigner. Aujourd'hui, il faut 2 ans pour traiter une tuberculose résistante, avec une vingtaine de comprimés par jour, 8 mois d'injections quotidiennes et de graves effets secondaires. La maladie est encore très peu prise en charge. La bédaquiline nous donne une vraie opportunité d'avoir un nouveau régime plus efficace, plus court, avec moins d'effets secondaires. Ça va permettre d'améliorer l'accès à un traitement pour la tuberculose multirésistante, une maladie aujourd'hui très négligée. Il y a évidemment des questions auxquelles il va falloir répondre. Comment utiliser au mieux ce médicament? Quels sont les effets secondaires? Il appartient donc à tous les acteurs de travailler ensemble pour s'assurer que le médicament sera utilisé de manière responsable et que tout le monde y aura accès. Tout le monde, y compris dans les pays les plus pauvres. Reste à présent à mettre en place un protocole afin de l'intégrer au sein d'un traitement combiné. Grâce à la bédaquiline, la prise en charge de la tuberculose résistante pourrait être intensifiée. En 2011, plus de 300 000 nouveaux cas avaient été dépistés, dont seulement 19% ont reçu un traitement. It means also that we need to secure public funding to do the R&D, but R&D is so expensive. Chercheurs, spécialistes en santé mondiale et encore bailleurs de fonds se sont réunis pendant 2 jours. Ils ont fait le bilan des progrès et des lacunes dans le domaine des initiatives médicales en recherche et développement contre les maladies négligées. Partant d'un constat, sur 336 nouveaux traitements mis au point ces 10 dernières années, seulement 4 sont destinés à traiter ces maladies, laissant des millions de patients au banc des avancées médicales. C'est cette analyse qu'MSF a présentée lors de la conférence internationale avant de donner ses recommandations. Force est de constater pour nous, MSF, praticiens sur le terrain, que nous manquons encore d'outils, que ce soit dans le traitement ou de moyens diagnostiques, pour beaucoup de pathologies que nous rencontrons dans nos conditions de travail. Les vaccins aujourd'hui nécessitent une chaîne de froid, donc c'est très lourd en termes logistiques. Et puis c'est des vaccins qu'il faut administrer à plusieurs reprises. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est un outil beaucoup plus facile, adapté à nos conditions de travail, ce qui permettrait d'avoir une meilleure couverture vaccinale et de prévenir les maladies qui tuent les enfants. L'occasion donc de rappeler qu'encore plus de 22 millions d'enfants ne reçoivent pas les vaccins dont ils ont besoin. Et si la tuberculose et les maladies tropicales comme Chagas sont dites négligées, elles comptent pour plus de 10% des décès dans le monde. Les routes sont maintenant praticables. La saison des pluies est terminée depuis début novembre, alors des réfugiés arrivent dans le camp de Yida, surtout des femmes et des enfants. Souvent très affaiblis, ces nouveaux réfugiés peuvent se faire soigner dans le camp. En août, MSF avait renforcé le dispositif médical pour faire face à la très forte mortalité. Depuis, l'hôpital MSF a une capacité de 80 lits et les équipes médicales donnent des consultations sur plusieurs sites. La situation s'est normalisée, mais les équipes restent vigilantes au cas où les réfugiés afflueraient en plus grand nombre. La structure qu'on a en place aujourd'hui, elle n'a pas été changée par rapport à la structure qui avait été mise en place cet été au moment de l'urgence. On a des tentes qu'on n'utilise pas en ce moment, mais qu'on a laissé monter et qu'on va probablement laisser monter encore quelques semaines pour voir si effectivement il y a une recrudescence des admissions ou une recrudescence des besoins en termes de santé. Dans le camp, la malnutrition est l'une des pathologies à traiter. Si le taux de mortalité infantile a chuté, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition reste élevé. De fin juillet à la mi-novembre, plus de 1900 enfants malnutris ont été traités en ambulatoire et 491 ont été hospitalisés. Dans le nord Kivu, aux alentours de Goma, ils sont plus de 100 000 à vivre dans des conditions extrêmement précaires. Alors, dans les camps de déplacés, comme ici à Mungunga 1, différents points fixes de vaccination ont été mis en place pour les enfants. C'est juste pour prévenir le cas des rougeoles qui peuvent survenir, puisque quand il y a concentration dans le camp, il y a aussi la rougeole qui survient lorsqu'il y a promiscuité. Pouvant entraîner pneumonie, cécité et diarrhée, la rougeole est une des premières causes de décès chez les jeunes enfants. Le virus est très contagieux, il suffit en effet d'un éternuement pour le transmettre. Toutes les mères sont donc appelées par les agents de santé communautaire à faire vacciner leurs enfants. La campagne est aussi l'occasion de dépister d'éventuels cas de malnutrition. Une fois son statut nutritionnel évalué, l'enfant est transféré, si nécessaire, dans un centre de santé où il sera soigné. Objectif de la campagne, vacciner 28 000 enfants âgés de 6 mois à 15 ans.